Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous propose une petite recette de Noël pour faire des petits biscuits de différentes formes et surtout vegan. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est super facile à faire, restez là et je vous montre tout de suite comment on fait. Pour réaliser ces biscuits, vous aurez besoin de 150 g de farine, 50 g de sucre roux, 100 g de margarine végétale, 2 cuillères à soupe de chocolat en poudre ou de cannelle, et pour le glaçage, 225 g de sucre glace et un peu d'eau. Dans un saladier, versez la farine, le sucre, la margarine et le chocolat. Et mélangez le tout à la main afin de former une pâte bien homogène. Ensuite, étalez votre pâte sur votre plan de travail avec un rouleau à pâtisserie. J'ai pas trouvé le mien, donc système D, j'ai pris mon rouleau de cellophane et ça fait l'affaire. Une fois étalé, découpez des formes à l'aide d'emporte-pièces si vous en avez. Mais si comme moi vous n'en avez pas, alors équipez-vous de modèles et découpez les formes vous-même au couteau. Préchauffez votre four à 165 degrés, thermostat 5. Placez vos biscuits sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, puis enfournez pendant 15 à 20 minutes. On passe à la réalisation du glaçage. Pour cela, passez votre sucre glace au tamis, 225 g. Afin qu'il soit bien fin et surtout sans grumeaux. Ajoutez 4 à 5 cuillères à soupe d'eau et mélangez jusqu'à ce que tout soit bien homogène. Une fois que vos biscuits auront refroidi, tartinez-les avec le glaçage. Il ne vous reste plus qu'à faire la décoration, ce qui n'est pas mon fort, n'est-ce pas? Mais pour cela, munissez-vous d'un crayon de décoration que vous trouverez en grande surface ou simplement faites fondre quelques carrés de chocolat et appliquez-le au pinceau. Et voilà, bonne dégustation les amis, et à la prochaine !